Salut tout le monde, ici Stéphane du 83, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le classico, je vous avais dit de prendre rendez-vous. Le classico allemand, Matic, qui va recevoir une bronca ici à Dortmund. Paul Pogba notamment, ces joueurs du Bayern, le Bayern, l'une des meilleures équipes du monde. Là, on peut le voir avec Paul Pogba, Matic. Dortmund, le Signal Iduna Park est plein. Maintenant, il va falloir profiter de cette ambiance. Excusez-moi si vous entendez des bruits de fond. C'est des gens au-dessus de moi qui font des petits bruits, je sais pas pourquoi, ils font des travaux. Bon. Du coup, voilà. Et en défense, donc avec 13 buts encaissés en 30 matchs. Mais les enjeux, donc déjà en cas de victoire ou en cas de match nul, je suis sûr de disputer au moins le barrage de la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà, la meilleure attaque, la meilleure défense. Ce classico s'annonce juste exceptionnel. En cas de victoire, le Bayern Munich est quasiment champion d'Allemagne. À 3 journées de la fin, ils auront 9 points d'avance. Tandis que si le Borussia Dortmund gagne, donc je suis sûr de finir dans les 4 premiers, et j'aurai 8 points d'avance sur le 4e, soit ouais, plus que une. Donc je serai plus qu'à une victoire de. Bah, si je gagne ce match-là, après, je serai plus qu'à une victoire de la Ligue des Champions direct. Donc voilà. Il y aura au moins les barrages à Dortmund la saison prochaine de Ligue des Champions. Paul Pogba, Franck Ribéry, Lewandowski, Agüero ne joue pas du côté du Bayern Munich. Oh là 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 là. On voit les supporters du Bayern Munich qui ont été autorisés à faire le déplacement là. C'est dangereux, mais voilà. Donc on peut voir leur dispositif avec Nemanja Matic. Le voici, l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Et si c'était lui qui plantait Dortmund, ce classico est parti. En cas de victoire, sachez que je reviens à 3 points du Bayern Munich à 3 journées de la fin. C'est dire les enjeux de ce classico. Et en cas de match nul, bah, ça restera comme là. Hein. Je serai toujours à 6 points du Bayern Munich avec Yaya Touré. Prends des Touré. Oh, elle est contrée. Et sachez que notamment, j'ai perdu en Europa League, donc j'ai éliminé Monaco. Hein. Et j'ai perdu en demi-finale aller à Benfica 2 buts à 1, donc c'est quand même un bon résultat, j'ai réduit le score à 15 minutes. Oh, Leighton Baines. Leighton Baines. Oh là là, Leighton Baines. Oh là là, j'ai tenté avec Leighton Baines. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Et le contre, Philippe Lam. Philippe Lam qui passe. Donc voilà, j'ai perdu 2-1 là-bas à l'aller, donc j'ai réussi à réduire le score toute fin de match, ça peut tout changer, ça sera de la folie à Dortmund au match retour, que je mettrai en vidéo. Donc. Attention, Ariane Robben. Face à Leighton Baines, Ariane Robben, oh Baines, l'excellente défense, il n'obtient pas la faute, mais il s'est pas jeté, il s'est profité à son équipe. Désormais, Franck Ribéry pour le corner, c'est vicieux, c'est repris, oh là là, c'est repris, et c'est Duc, le petit Duc qui va repartir pour le contre avec Mkhitaryan, Mkhitaryan qui prend vitesse lame, Mkhitaryan sur le côté, Mkhitaryan le petit coup d'épaule, ou oh, Mkhitaryan repris par Philippe Lam, avec Martinez, d'ailleurs. C'est donc les Bernat. Ça change d'elle, c'est parfait avec Ariane Robben. Lewandowski, la meilleure attaque de championnat d'Allemagne. Nkoulou, super. Propre. Super Nkoulou avec Leighton Baines. Ouh, ça s'est mal compris avec Yaya Touré. Philippe Lam, on se rappelle que l'année dernière, il y avait eu 1-1 ici à Dortmund au match retour. Je crois que si j'avais ouvert le score et Bayern avait égalisé ou sinon c'était le contraire, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'était moi qui avais ouvert le score. Et Duke. Et Duke qui recule, Duke qui va aller chercher Weigl. Weigl la petite passe vers Parkio. Parkio est hors-jeu. Parkio est hors-jeu. Excusez-moi. Oh, c'est risqué. Oh là 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 là. Ils prennent des risques. Ils prennent des risques, sachant qu'ils sont quasiment champions en cas de victoire aujourd'hui à Dortmund. Matic, Perfram, Bernat. Alors là, j'ai baissé le son de ma télé, mais à mon avis, ça doit siffler à chaque fois que Matic a le ballon. Parce que vous, normalement, vous entendrez le public dans la vidéo, mais normalement, non, en fait, ça siffle pas. Hein. J'en rajoute un petit peu sur FIFA, dire les supporters n'ont pas que ça à faire, même s'ils sifflent un peu quand même des fois. Oh là là, on s'est passé, c'est passé juste à côté des deux hommes. Ariane Robben arrive, le centre de Robben. Oh, Sergio Ramos parfait, avec Weigl. Comment se sortir de tout ça, là, pour Dortmund? Thibaut Corrigui. Et Duc qui passe. L'enfant du pays, comme on dit. Le petit Duc. 67, hein, je le rappelle.
Avec Matic, oh la belle passe, oh là 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 là, c'est sublime, c'est sublime. Et Philippe Lam qui s'arrache, car il a plus de niaque que Leighton Baines, le centre de Lam. Et c'est encore une fois Sergio Ramos qui vient sauver le Borussia Dortmund. Corner, Franck Ribéry. Ça va être joué à deux, ça va être joué à deux. Franck Ribéry qui va attendre tranquillement l'arrivée d'Ariane Robben, le contrôle orienté. Franck Ribéry, la compréhension entre les deux hommes avec Arturo Vidal, Ariane Robben, Martinez. Arturo Vidal qui tente. Oh, l'arrêt de Paraman qui vient sauver le Borussia Dortmund. Et ça va encore une fois être joué à deux. Oh oui, c'est passé. Oh oui, c'est passé pour Matic. Oh, c'est Matic en plus. C'est Matic et c'est Paraman surtout. C'est Paraman qui sauve Dortmund avec Parkio. Allez, le contre. Oh, Parkio. Qu'est-ce qu'il a fallu faire, Parkio, là? Leighton Baines. Allez, avec Divock Origi qui va aller chercher du. Allez, on va réussir à les mettre en difficulté. Faute. Ah, monsieur l'arbitre, il faut réussir à mettre en difficulté cette équipe du Bayern. Oh là là, la portée de balle de Paul Pogba, c'est exceptionnel. Ribéry vers Lewandowski. Lewandowski qui est passé par Piszczek. Lewandowski qui continue. Lewandowski. Oh, le rôle de Lewandowski. Et la tête. Oh là là, Lewandowski, qu'est-ce qu'il venait de faire là? Oh, il a vu le départ, Weigl. Le départ d'Origi. Origi qui va aller chercher Tuc. C'est passé avec Robot. Oh, Robot. Oh là là, il n'y a rien de Robben va arriver maintenant. Avec Matic, Paul Pogba, Lewandowski, le 1-2, Pogba, il est capable de tout avec un ballon ce mec-là. Oh là là là, la passe à l'aveugle vers Franck Ribéry. On prépare Mkhitaryan. Oh là là, Mkhitaryan, super accélération. Mkhitaryan qui va aller chercher le 1-2. Non, et c'est la mi-temps. La mi-temps et le Borussia Dortmund, pour l'instant, réussit à tenir en échec le grand Bayern de Munich. Dans ce classico, on va faire laisser Origi en pointe. C'est Dux qui va céder sa place donc à Pulisic, sauf que Origi va passer en pointe et Pulisic à gauche. Et sinon, ce sera le seul changement, cette entrée de Pulisic à la place de Dux. Allez, il y a, allez, allez le petit Pulisic aussi donc. Ce grand exploit, le grand exploit peut-il être réalisé, car là j'ai clairement fait tourner l'équipe quand même. Ce sera un énorme exploit que de battre le grand Bayern de Munich pour cette meilleure défense de Bundesliga. Cette meilleure défense qui avec ce centre de Robben, avec ce centre de Robben, qui a failli craquer. Et là, avec Paul Pogba, ce mec est capable de tout. Je l'ai dit tout à l'heure. Le 1-2, frappe de Pogba ou frappe de Pogba. Comme tu vas, par là. La relance, cette fois-ci, elle est propre. Elle est bien vers Origi. Origi qui manque de niaque avec Martinez. Martinez, oh ça c'est Daniel Corrigui, voilà, il va faire le pressing, oh là 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 là, c'est propre, oh là là, oh il va s'arracher, oh non, ça c'est sorti, alors qu'après ils vont Fribourg, le Bayern de Munich, ça devrait passer pour eux. Douglas Costa, attention à sa vitesse, à lui, Douglas Costa donc, qui remplace Franck Ribéry, le voici Douglas Costa face à Piszczek. Le renversement d'aile d'entrée, il est propre, il est parfait, il y a Ariane Robben, le centre Robben, oh là là, Farman, excellent. Ça prouve que c'est un gardien en confiance, ce Farman. Quelle sortie exceptionnelle d'aller chercher ce ballon là, Parkio, avec Weigl. Allez, on va aller chercher Origi, oh c'est bien joué, oh Neuer, Neuer, oh Neuer, l'arrière gauche, comme d'habitude. Piszczek. Check. Oh là là, oh là là, Paul Pogba les gens, Paul Pogba, c'est ça Paul Pogba, c'est ça. Avec Nicolas Nkoulou, ouais, super, oh là là, super, ça c'est propre Nkoulou, la relance, oh là là, c'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Le duel Yaya Touré, Paul Pogba, il est énorme au milieu de terrain. Oh il quitte rien, oh il quitte rien. Avec Origi, Origi, Origi qui accélère, qui va aller chercher Yaya Touré, Yaya Touré le voici, il en a loupé une en début de match. Yaya Touré qui tente. Yaya Touré, le Borussia Dortmund mène 1-0 et le titre de la première fois Dortmund mène 1-0 dans ce classico. Et le voici peut-être le premier champion, Philippe Lahm. Le Bayern va maintenant pousser Robben, Matic. Et si c'est Matic qui allait punir Dortmund là, peut-être en allant égaliser d'un coup de tête rageux avec Bernat. Pelatia, maintenant tout le monde est en attaque. Ce ballon long. Ouh là 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 là. Paul Pogba. Paul Pogba se loupe. Oh, ça prouve que Bayern n'y est plus. Parce que Paul Pogba se loupe, c'est pas 40 000 fois dans un match. Oh, 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 oh. Oh, il s'est encore mis Farman. C'est encore ce grand gardien qui est Farman.
qui est en train de ramener ses 3 points. Farman, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, faut pas que je parle par l'avance parce que là. Faut pas que je parle en avance si c'est moi parce que là. Oh là 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 là. Penatia, s'il change de côté. Oh oui, ils l'ont changé de côté. Vidal qui laisse passer par Douglas Costa. Car il sait très bien que Douglas Costa provoque mieux la faute. Faute! 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 Oh! Oh, il y a une faute de Vidal! Oh, quoi? On m'a sifflé la même la dernière fois en coupe. Oh, mais dites pas que c'est Matic. Non, c'est Lewandowski. Oh là là, bon allez, je vais chercher la victoire. Fou, je vais chercher la victoire. Allez. Elle quitte rien. C'est fou, un classico. Un classico, c'est fou. Un classico, c'est fou. Matic, attention, avec Arturo Vidal, Douglas Costa, ils vont aller vouloir aller chercher leurs 3 points aussi de Bayern. Paul Pogba. Paul Pogba qui passe. Paul Pogba toujours. Oh, Piček, ça c'est de la niaque, ça, Piček. Avec Nkoulou, Sergio Ramos, qui va aller chercher Weigl. Weigl qui perd ses balles. C'est pas grave, faut se relever, monsieur Weigl. Allez, allez. Avec Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou qui va relancer vers Leighton Baines. Leighton Baines, c'est le petit crochet. Baines. Baines qui se met sur son pied gauche. Baines. Baines. Baines, la petite passe. Oh, Baines, la petite passe. Et ça dégage en touche. Par coup de pouce. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes pour que Dortmund puisse encore rêver du titre. Ou sinon, bah le Bayern succédera à Dortmund. Et le Bayern montrera qu'ils sont de retour au plus grand, au plus haut niveau. Avec Douglas Costa. Et s'ils allaient enfoncer, Dortmund, excusez-moi. Arjen Robben, le contre. Là, tous les supporters du Bayern sont en train de devenir fous, à mon avis. Arjen Robben sur le côté. Robben qui passe. Le centre Robben. Le centre Robben et l'arrêt de Farman. Allez, Farman. Farman, une minute de temps additionnel. Sergio Ramos. Il faut y aller, monsieur Weigl. Weigl qui accélère. Weigl la dernière. Avec Pusic. Pusic, on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout. Pusic. Pusic qui accélère. Pusic. Pusic qui se remet. Pusic. Stop. Ça va. Pusic. La tête a fait des parcours. Pusic. Oh, Pusic. Non, on vient de là. Et j'en termine. Oh, il y avait hors-jeu peut-être. Il y avait action de hors-jeu, tirement d'Iva Corrigui-même. Oh là 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 là, ça va faire parler. Il y avait action hors-jeu de Iva Corrigui qui gêne sûrement Neuer là. Oh là là, Neuer s'y attend sûrement qu'il va la toucher. Oh là là, ça va faire parler ça. Ça va faire parler Guardiola et toute son équipe. Mais en tout cas, c'est le Borussia Dortmund qui est allé chercher le classico au bout du bout. Dortmund emporte ce classico. Et j'avais plus quoi dire à la fin. Oh, et c'est le jeune public, qu'est-ce qu'il a fait, ce mec a que 67. Ce mec a que 67 et je joue en 5 ans. Regardez tout le virage de Dortmund. Ils sont devenus fous, le virage de Dortmund, regardez. Ils sont soulevés là. Ah, c'est énorme, attends. Ah, c'est beau. Oh là là, c'est devenu fou. Que c'est beau de marquer comme ça dans le classico et pas que l'ennemi de toujours. Certes, Dortmund a été dominé. Certes, Dortmund n'a pas dominé. Mais Dortmund a su être réaliste et a su gagner ce classico au bout du bout. Donc sur ce, salut tout le monde et à la prochaine.